Ouais, ça c'est cool. J'ai plus rien à préparer avant d'entrer dans le prochain donjon. Salut à toutes et à tous, c'est Dark Chris et on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de The Legend of Zelda. Puisque ici on va s'attaquer au donjon 8, hein, puis après il y aura plus grand chose à faire à part se rendre dans le 9e. Et là, c'était le fameux endroit où j'avais trouvé, que j'avais trouvé purement par hasard, hein, en brûlant un buisson par pure curiosité, hein. Je suis un enfant innocent, hein, il faut le savoir. Et là, directement un boss. Alors, je sais pas si je vais l'affronter tout de suite. Attendez, laissez-moi juste réfléchir. Alors, qu'est-ce que j'ai changé depuis la dernière fois? Rien, mis à part que j'ai récupéré quelques bombes, voilà. Rien de bien folichon, hein. Enfin bon, on va peut-être aller par là, voilà. Ah bah tiens, là, ça m'inspire un peu plus. Alors, on va éclairer comme d'hab. Ce qui m'étonne, mais par quoi je me suis fait toucher? C'est bizarre ça, c'est de l'eau? Ah ouais, c'est de l'eau. Bon alors attendez, là il y a un blob bizarre, un blob gris. Alors oui, maintenant c'est gris. Hein. On a changé de couleur, on rentre dans le gris. Attendez. Hop. On va tenter de péter des murs quand même, hein, parce que la dernière fois ça m'a assez traumatisé cette histoire. Mais putain, je suis bloqué dans mon échelle. Allez, c'est parti. Boum, boum, boum. Et boum! Rien du tout, d'accord. Putain. Eh mais ils font chier eux, on peut pas les tuer, hein. Ah mais ils nous affichent pas de dégâts. Ah mais je viens seulement de la prendre. Ah en fait on peut pas utiliser notre épée lorsqu'ils nous touchent. Ah mais je suis. Moi qui paniquais pour rien, mais en fait c'est tranquille, oh là là, c'est easy. Bon, ok, y a rien du tout là. D'accord, ça nous empêche d'utiliser notre épée. Ok, d'accord. S'ils veulent. Bon. On va aller quand même attaquer le boss, hein. Enfin. Ouais, si, on va l'attaquer. Allez, c'est parti. Tous en cœur. Lui, ça, en plus, ça a toujours été un mini-boss, hein. Putain. Ça a toujours été un mini-boss. On l'a pas vu dans un donjon à part. Putain, il fait mal, hein. Tiens. Oh là, c'est chaud. Ok, mais ça me mitraille toujours. Aïe, aïe, aïe. Déjà 3 coeurs en moins. Oh non! Mais non! Putain, pas eux. Oh là là, on va. Attendez, comment je vais me les faire ceux-là? Ah ouais, oh la vache. Oh la vache. Non, je vais pas gaspiller mes bombes parce que je m'étais déjà fait avoir par ça. Évidemment, les flammes, ils sont insensibles. Et comme il y a ces trucs-là, ça m'empêche de. Ah ouais, d'accord, ah ouais, c'est vicieux. Ouais, non, je peux pas les brûler. Ah putain. Et s'ils sont sensibles à la baguette, c'est ça que j'aimerais savoir. Ouais, mais de dos, de dos. Ah non, même pas. Même pas. Bon, on va essayer de se les faire, mais ah, il faut jongler là-haut. Putain, en plus, je confonds les ennemis. Aïe, 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 aïe. Oh, d'un coup. Ça, c'est avec ma nouvelle épée. Non! Oh, dis donc! Je suis invulnérable lorsque je me fais toucher par le petit truc d'abord. Ah, je pourrais peut-être m'en servir à mon avantage de ça. Merde. Et plus qu'un coup, il est mort. Hop, dans le dos. Comme un lâche que je suis. Et merde, ça s'était pas dissipé cet effet. Oh là là. Bon, cette fois, je connais, hein. Je vais pas me faire avoir. Tiens, c'est l'objet du donjon. J'ai bien fait de passer par là. Alors, de quoi il s'agit? C'est le fer d'en haut. D'en bas plutôt. Je suis en bas. Allez, allez! Allez! Crève! Oh, tu veux pas crever, tant pis. J'ai reçu un bouquin. Ta-da-da-da. Et je sais pas du tout à quoi il sert. Il est en objet, d'accord, très bien. Si tu veux. Et ils ont pas repopé, tant mieux. Alors,
Pour toutes ces conneries de murs ou je sais pas quoi, on verra après, j'ai pas envie de poser des bombes par hasard, au hasard. Bien qu'il y ait des trucs qui sont assez tentants, là, dans le... En haut, j'étais assez tenté de le faire, mais... Finalement, non. Et non, et non, non. Bah non, je vous ferai pas ce plaisir. Hein. Ok, donc forcément, là, il va falloir que je l'expose. Le mur, hein. Et le boss aussi, par la même occasion. Ouah, de d'un coup. Et voilà. Bon, par contre, des rubis, je m'en fiche un peu. Des bombes par là. Par là. Et par là. Donc, il n'y a rien à part en haut. Ok. Ensuite... Oh, purée. Et... Ça lag à mort. Parce qu'il y a trop d'ennemis, c'est un truc de fou. Oh là là, la pièce de ouf. Les lapins, faut les buter avec l'arc. Attention, tir au pigeon. Ouh, wow, vous avez vu ça? C'était une belle brochette de lapin. Hein. Oh les mignons. Oh ils sont mignons les petits lapinous. Ils sont morts surtout. Voilà par contre, je suis obligé de les tuer. Ah putain. Faut que je me les fasse. Faut que j'en prenne un en cible. Voilà, comme ça. Oh purée, ça, je peux pas louper. Aïe, aïe, aïe. Ah, putain. Non. Ah là là, c'est chaud. Oh, putain. Oh non, non, non. Non. À part recommencer. Mais non, putain, mais quel con. Oh purée, c'est bon, ils ont pas repopé. Ouf. Mais quel con quand même! Aïe! Ah, toujours un maniement chelou avec la croix. Oh putain! Plus qu'un. Aïe, 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 bobo. Aïe, j'ai mal. Je souffre. Ouah, la vache. La vache qui rit. Attention, elle pleure plutôt là. Oh putain, je suis bloqué. Oh là là. Mais non, la bougie, please. Bon, écoutez, là, j'ai plus de grand chose d'intéressant à dire sur le jeu. Hein, je le vis, donc si vous voulez pas m'entendre, déjà ne regardez pas la vidéo et surtout bouchez-vous les oreilles. Okay, mais eux, ils ont des dégâts recul. Je comprends pas pourquoi certains ennemis, ils en ont pas. Voilà. Oh, de la vie. On va aller toujours à gauche. On va à gauche, hein, toujours à gauche. Oh, mon Dieu. La vache. Ouais, mais eux, encore, ça va. Encore, eux, ça va. Voilà, ça, c'est simple. On va poser une bombe au cas où, parce que... On sait jamais. Alors, là. Putain. Et allez, putain. Ça, c'est pas... Incroyable. Y'a rien. En plus, je suis venu ici uniquement pour me faire niquer. Les petites clés, j'en ai trop. J'aurais pas dû venir ici. L'arc. L'arc, parce que je sais me diriger. Voilà. C'est dans le noir, ça? Non, c'est bon. Oh, putain. Attendez. On va voir si je refais la même chose. Attention. On mitraille le bouton B. Non. Ça marche pas. Bon, on va le refaire, ok? On va le refaire. Ah oui, mais là, il a plus de vie. Oula, oh la vache. La vache! Non! Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Non, mais je vais pas refaire la voix à chaque fois, hein, des 5 minutes plus tard. Quoique. Allô? Merci. Vache!
Allez, fumier! Ah, c'est bon. Waouh, costaud ça. Oh non, 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 pas. Non, non, mais tout ça pour ça. Spectacle rock et l'entrée de la mort. Le spectacle rock et l'entrée de la mort. Mais je comprends rien. Autant me parler chinois, c'est la même chose. Je comprends rien du tout à ce que tu dis, le vieux, mais que dalle, niet. Non comprendo. Vache. Attendez, puis en plus. Ah ouais, en plus. Tellement d'ennemis à l'écran que mon ordi ne le supporte pas. Non mais vous vous rendez compte? Ah là là. Ah putain. Sérieux. Ah non, mais non, ça m'empêche d'attaquer, c'est vrai. Assez fourbe ces petits trucs. Je sais pas à quoi ça ressemble. Aïe, c'est les momies les plus vicieuses. Elles ont plus de vie. Ah mais quel con! Je l'avais. Alors toi t'es tout seul. Hein, tu fais moins le malin, hein? Chevalier noir. Voilà, t'es mort. En bas. En bas, comme ça, je saurais que j'aurais visité. Oh putain, mais quel con! Mais quel con! Oh non! Non, sérieux là! Oh putain! Oh putain! Oh non, non, non! En plus, mais c'est pas possible, un freeze pareil! Attends, 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 attends! Oh purée, mais c'est pas possible la poisse là! Mais encore une fois, putain, la map! Elle est où la map? Comment ça me saoulait ça? Me diriger à l'aveugle. Oh putain, mais non! Mais ils abusent là! Mais ils sont méchants! Ouh, attention! C'est pas ma guerre, mon colonel! Non! La technique du Dark! On bourrine! Ah. Je veux pas crever, j'en ai marre de crever, j'en ai marre de faire des fails. Non! Je veux pas passer ma vie à faire des fails. Je veux pas être un fail vivant. Please. Please. Un peu de pitié pour le Dark. Non? Si? Te retourne pas, toi. Te retourne pas, fumier. Voilà. Ah la vache. Ah la vache. C'est quoi ça? Mais putain! Ça sert à rien et je peux pas attaquer à cause de ces merdes. Pas me faire bousiller par un rouge. Et allez, elle est où ma baguette magique en plus? Moi j'en ai besoin. Tiens, dégage! M'en fous, c'est pas ma baguette qui est affectée. Tiens, crevard! Mais putain, et pourquoi ça explose ces trucs? Quoi? Ah, mais c'est le livre magique! Maintenant, ça me fait faire des flammes! Eh, mais je me brûle! Bon, allez, je me casse. Ah, mais d'accord, maintenant je peux tirer des flammes. Ah, d'accord, mais je croyais que c'était la momie qui s'enflammait, vous savez, un morceau de PQ qui s'enflamme. Incroyable. Waouh. Oh non, on est déjà au boss? Non, des lapins. Des lapins crétins, putain, faut tous les buter, ils sont moches. Oh la vache! Il y en a combien? Vite, des munitions. Arrête de sauter! Voilà. Et je fais comment pour sortir? Ne me dites pas qu'il faut pousser un truc encore. Attendez. Pas par là, pas par là, pas par là, non plus, non plus, non plus. Putain, je sens que je vais pas y arriver. Attendez, je vais bien pousser les blocs pour pas me faire niquer comme la dernière fois.
Mais sérieux! Fais comment pour le sortir d'ici? Ah, peut-être une bombe. Peut-être une bombe. Mais non, mais en fait, je suis... Mais putain, mais je suis con, en fait. Oh ouais, ça va pas mieux, le Dark, hein. Ouh là là, réveille-toi. Je pouvais sortir, mais... N'importe quoi. Je pouvais sortir. Ouais, c'est Dark Knight, ça m'a traumatisé. Hein. Ah. Un chemin non officiel. Moi, je vous dis, on va y aller. Ma baguette magique. Putain, c'est... Oh, mais c'est le même boss encore, mais putain de recyclage à la con. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je sens que je vais me faire avoir. Le boss est déjà pas assez compliqué à battre comme ça. Il faut en plus que je me fasse avoir. Non mais sérieux. Ça sert à quoi toutes ces salles? Quelqu'un peut m'expliquer? Le boss... Mais putain... Le boss est tranquille dans son antre, là. Il est assez près. Mais putain, je me fais paniquer par les Dark Knights, mais par ces statues de merde! Le boss est suffisamment près, voilà. Et... facile d'accès. Mais putain... Laissez-moi poser mes bombes. Et je me fais niquer. Ok, donc j'ai réouvert l'accès... Et tout ça pour ça! Dixième ennemi à la bombe? Quoi? Quoi? Dixième ennemi à la bombe, ça veut dire quoi ça? Putain! Je capte rien! Je comprends, mais alors rien du tout à ce jeu. Où est la map? Où est la map? Bon, écoutez, hein, moi j'en ai rien à foutre, j'y vais. On va voir si la baguette magique ça sert à quelque chose. Ou si c'est que pour des pruneaux. Ça sert à rien. Et il a combien de têtes lui? Putain! Mais putain, mais il veut te... Et voilà, je me suis fait entuber. Putain de trou! Oh purée, mais là, j'ai la poisse, hein. Oh, mamma mia. Vas-y, mets ton temps, prends ton temps. Putain. On va mouriner. Voilà, d'accord, va très bien, va très bien, bah oui, bah, bah. Voilà. Bon, j'ai tous les réceptacles de cœur, désormais. Mais je comprends rien. Je comprends rien. C'est quoi ce donjon? Il y a quoi dedans en fait? Bon bah j'ai le morceau d'Atriforce, je suppose que pour les tics je vais devoir y retourner, mais bon. Quand même d'abord vérifier sur une soluce ce qu'il y a à voir, parce que s'il n'y a rien d'intéressant, je vous jure, ma parole, j'y retourne pas. Hein. Bon allez, bah à tout de suite. Bon ok, d'après ce que j'ai vu, j'ai loupé un item. Alors on va essayer d'y aller. Hein. Essayez, hein, j'ai dit. Alors pour ça, il faut que je me dirige tout le temps en haut. Alors pour le moment, je fais avec parce que j'ai pas la map. J'espère que ça repop pas des masses. Hein. Oh oui, continue de rêver, le Dark. Continue de rêver. Ah putain, c'est vrai que j'ai ça. Faut pas se faire niquer, là. Voilà. Non, 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 non. Putain! Mais putain, ça y est, je peux plus rien faire maintenant. Voilà, ça c'est bon. Aïe, aïe, aïe! Ouah, c'était bien joué! Ah, purée, ils sont chiants quand ils ont deux coups. Et regardez-moi ça, t'as l'impression que tu peux pas les faire crever. Ah, putain! Il se retourne pile au bon moment, lui. Attendez, c'est quoi ces ennemis là?
vache. Et merde, limite j'allais me faire cramer là. Allez. Non. Eh hey, mais pourquoi je me fais chier? C'est en haut qu'il faut aller. Allez. Attendez. Je me planque, mais... Ah oui, c'est une bombe. Là. Esquive. De ouf. Ah putain, c'est une armée. La vache. Je me barre. Oh putain. Et merde. On va le bourriner lui. Ah, c'est bon. J'ai la carte enfin. Bon allez, voyons un peu à quoi ça ressemble. Ouais, alors la plupart du temps ce qu'il faudra chercher c'est des bombes. Ouais, c'est des bombes en fait. Et putain, pas l'arc, les bombes. Là, je sens que le prochain il va être waouh, épique il va être. Le stage va être épique. Oh putain, pas elle. Pas elle. Oh non. Mais non. Mais regardez tout ce que je dois éviter. Voilà. Le dark en mode trans. Non, pas transsexuel, mais putain, non. La vache, la vache, la vache! Prends ça! Putain, c'est ouf ça! Regardez-moi ça! On se croirait dans un shoot'em up! Oh là là! Putain! Faut que j'arrive entier jusqu'à ce que j'obtienne l'objet! Ah là, c'est bon. Eh, il en a envoyé pas mal le fumier, hein! Je sais même pas par où je dois passer. Bon, on va à droite pour voir. Je crois que c'est par là en plus. Évidemment, il va falloir que je tue tous les ennemis de la zone pour passer. Mais putain, mais. Oh non, et pourquoi je m'attaque à eux en premier? C'est idiot ce que je fais. Et c'est surtout inconsidéré de ma part. Ouh, oh, la petite fée. Oh, je suis un pédophile et je capture des fées. Je les mange même. Évidemment, elles sont pas sensibles à ça. Petit. Vache. Voilà, c'est bon. Prends ça, fumier. Voilà. Oh, encore une fée. Ah, j'adore dévorer les petites filles. Je passe pour l'ogre. Ça y est, la clé magique. Il a une tête de... Attendez, il me fait trop penser à un personnage. Attendez. À quoi il ressemble? Putain, de chauve-souris. Ça me fait penser. Déjà, c'est une tête de lion, mais. Je sais pas, il a un sourire un peu étrange. Ok, bah, je crois que j'ai tous les items qu'il me fallait. Honnêtement, il y a encore des salles à visiter, mais vous savez quoi? Je m'en tape. Je m'en tape. Sérieux. Je m'en fous. J'en ai marre. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ah si, on va quand même visiter un peu, puis comme je vais crever de toute façon, ça sera l'occasion, voilà. Histoire 2. Voilà, ce genre de salle. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces salles, sérieux? Dark Node, d'accord, très bien. Là, des bombes, exprès, il nous donne des bombes, comme par hasard. Donc, logiquement, évidemment, faut que ça m'arrive à moi, là, à ce moment-là, précis, évidemment, forcément, indubitablement. Et là... Des bombes, donc, des bombes, on va les poser pour que ça fasse boum. Je me suis peut-être loupé, non? Et boum! La logique implacable de Zelda, une salle comme ça qui sert à que dalle, et oui! Et là, je vois qu'il y a une entrée, donc je vais bomber l'endroit. Voilà. Non mais c'est ça que je comprends pas, il y a des trucs, ça m'échappe un tout petit peu, un chouïa, vous voyez, ça m'échappe un tout petit peu, voilà. Oh, joli. Le quintet plus. Attention. Toc. Ça sert à rien, mais j'aime bien briller, parce que, voilà, je suis fan de paillettes, hein.
Attention. Ah non, ça marche pas, donc on va utiliser le boomerang pour tous les ramasser avec panache. Putain, ça marche pas. Bon allez, hop. Et hop. Voilà. Bon, bah écoutez, on va... Je sais pas ce qu'on va faire. Non, on va sortir tout simplement, et puis voilà. Ça en sera fini pour cette vidéo. Vous allez me dire, pour ceux qui connaissent à fond le jeu, « Ouais, t'as loupé plein de trucs, le Dark !» Et puis moi, je vous dis que... J'en ai marre. Voilà. Waouh. Regardez-moi ça. C'est passé un poil de cul. Ça aussi, je suppose. Bon, bah, de toute façon, pour le prochain donjon, je vous ferai le plein. Exceptionnellement, comme c'est un environnement qu'on n'a pas déjà visité, je vous ferai le chemin depuis un endroit connu jusqu'à ce qu'on y arrive. D'accord. Alors, attendez, est-ce que c'est vraiment différent de... Oula, il y a quand même des salles qu'on a loupées, hein. Attendez. 1, 2, 3, 4... Ah ouais, quand même, un petit peu. Oh bah bon, ça sert à rien, c'est sérieux. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo. C'est triste. Et le Dark pense dans sa tête. Alléluia, alléluia. C'est la fin de The Legend of Zelda. Allez, bye bye.